dimanche 20h. Domingo Radio Stream sur Énergie. Quand je vous dis mort, vous dites si, si, si. Oh là là, vous connaissez, vous savez ce qui est en train de se passer. Notre dernier jeu, le jeu où vous allez pouvoir gagner un Google Home Mini. Trois participants, ça peut être beaucoup, mais c'est peu. Et oui, ouais, c'est beaucoup car il n'y a qu'un seul cadeau. Je deviens un peu fou là sur cette fin d'émission. J'espère que vous allez bien. En tout cas, tous ceux qui nous écoutent dans toute la France, si jamais vous êtes sur les routes, faites attention, bien évidemment. Oui. Faites attention à vous quand même. Si jamais vous êtes en train de vous endormir, eh ben vous allez peut-être être réveillé par cette mort susurrée. On a trois auditeurs qui sont avec nous. Le premier est Marvin. Salut mon pote. Salut Domingo. Bonjour l'équipe. Salut Marvin. Le Marvin est chaud. Le Marvin est au cas. Ah ouais, là il est prêt. C'est ça. Niveau culture G, tu te sens bien quand même dessus? Ah, pas très chaud. Ah, moyen quand même, hein, ça va être compliqué. On verra en tout cas ce que tu vaux, Marvin. Il y a Pierre aussi qui est là, salut Pierrot. Salut les gars, salut l'équipe, salut Domingo, ça va? Salut Pierre. Eh ben écoute, ça va très bien Pierre. Même question que pour Marvin, culture G, ça te connaît, ça te connaît pas? L'hésitation se vend. Personne veut trop se survendre en tout cas. Ouais. Et le dernier, c'est Marcus. Salut Marcus. Salut Marcus. Ça va. J'aime beaucoup le prénom Marcus. J'aime bien aussi. Voilà, je trouve ça assez original et je suis amoureux du prénom Marcus dans Gears of War, si vous voulez tout savoir. Voilà, c'est avant tout des infos, c'est plein de choses. Marcus, toi, niveau culture G, t'es bien? Petite question. Ah, okay, on est là. Hein. Ah là là, lui, il est chaud. Lui, Marcus, je le sens bouillant. Marcus, il va perdre dans la première question. Ouais, faut faire attention quand même. Vous chauffez pas. D'ailleurs, il n'y a pas de femme. N'hésitez pas. Il y a Marvin, Pierre, Marcus, il n'y a aucune femme. Vas-y, moi, j'appelle la semaine prochaine. Qui a voulu appeler, n'hésitez pas. La semaine dernière, c'était une femme qui avait gagné. Femme, on sait pas. Oh, bah écoute, ça c'est à toi de nous en dire plus juste après. D'abord le jeu et après les confessions. Marvin, Pierre, Marcus, même si vous connaissez les règles, je vous les répète quand même. Mort susu, chacun va avoir une question de culture G. Si jamais vous avez tort et que les autres ont bon, eh bien vous êtes éliminé, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un seul. Ouh. En gros, faut que vous répondiez bon, sinon c'est la merde pour vous quoi. Ça vous va? Ça marche. Eh ben on va commencer tout de suite avec Marvin. Marvin. Ok. Première question. Quel animal est Pampan dans Bambi? Facile. Une biche. Non. Ah non. Marcus, ça commence très très mal. Non, c'est Marvin. C'était un lapin. Ah non, c'est le lapin. C'est Marvin. De quoi? C'est Marvin là. Oui. Et Marcus, ça commence pas mal. Pardon, Marvin, ça commence mal, excuse-moi. Après, s'il a pas vu Bambi, tu peux pas deviner. C'est chaud, c'est des questions, vous allez voir, semi-chaud. Et ça va être une deuxième en plus qui peut être compliquée. Pierre. Ouais. Pierre, Marvin est potentiellement déjà éliminé si jamais tu réponds bon et que Marcus aussi, donc va falloir être concentré. Top, on est parti. Le nom de l'ours qui chante avec Mowgli, il en faut peu pour être heureux. Balou. Bien sûr. Là on connaît ses classiques. Marcus, t'es avec nous? Ouais. Ok, on va partir. Quelle est la femelle du cochon, Marcus? La truie. On a des gens. Marvin, on va te laisser. Désolé, t'as eu faux tout simplement. Ouais. Pierre et Marcus, on est avec vous. On enchaîne tout de suite. Quel est l'organe, Pierre, respiratoire des poissons? L'organe respiratoire des poissons. C'est dur ça. Les bronchites. Bien sûr. Ouais. Si, ça passe. Allez, ça passe. C'est les branchies. Voilà, merci. Dire c'est un problème de réseau. Bronchite, c'est un peu différent. C'est du bronchite. C'est une galère. Allez, on enchaîne, Marcus. Dans quel univers se situe la Terre du Milieu? Seigneur des Anneaux. C'est bon, là, on a des gens. Ça va pouvoir accélérer. On espère que vous êtes prêts pour accélérer. Top. Pierre, de quel film Tony Montana est-il le héros? Scarface. C'est bon. C'était chaud quand même. Sur le gong. Marcus, top. Quel est le nom de l'agence spatiale américaine? NASA. Oh là là, mais ils sont tous ensemble. Nous avons un duel ce soir. Moi, je suis comme ça, je suis désolé. Moi, ça me chauffe la mort susurrée. Oh là là. Allez, petit jab. Boum. Marcus ou Pierre, qui des deux repartira avec le Google Home Mini? Ils ont l'air d'être chauds. Yes. On est reparti. Pierre, quel est le nom du peintre Van Gogh? Oh non. Sébastien? Non, Vincent. Sébastien Van Gogh, ça ne passera pas, c'était Vincent Pierre. Et la question n'était pas facile parce que forcément, ça monte de plus en plus. En difficulté. Exactement. L'attention aussi. Il finit plus les phrases. Hein. Ouais, moi, je c'est pas fini, il faut qu'il réponde juste. Hey, Marcus, si jamais tu réponds bon, c'est terminé pour Pierre, tu repars avec le Google Mini. Ne racontez pas vos vies. C'était vraiment
bien. Je sais pas ce qui vous arrive. Je sais pas, c'est une petite tête, genre, ne me casse pas les couilles. Il allait démarrer la question et un mec l'a dérangé. C'est trop. Marcus, il y a aucun souci. Marcus, si tu réponds bon, tu repars avec. En 2016, quel acteur reçoit l'Oscar du meilleur acteur? C'est dur. 2016, Oui. Je sais pas. Oui. Ah dommage, Leonardo DiCaprio. J'aurais dit Jean Dujardin, mais DiCaprio. Du coup, Pierre est toujours avec nous et ça va continuer à monter. Complète la liste, Pierre. Athos, Porthos et... Facile. Aramis. Oui, yes. Allez, c'est très bien joué. On enchaîne. Marcus, combien de côtés possède un pentagone? 8. Oh. Hein? Non. Ah putain, non. Marcus, il n'y aura pas de deuxième essai, Marcus. C'est trop tard, t'as dit. Non, mais j'étais là. Merde. Marcus, je suis désolé. T'as craqué sous la pression, Marcus. C'était 5. Et c'est finalement Pierre qui remporte le deuxième essai. Bien joué, Pierrot. Pierre qui lui a passé le CM2. Tu dis ça alors que t'aurais pas répondu à la première. Même pas le truc du cochon là. La truie, je pense non plus. Bonne vanne. Bah Pierre, écoute, félicitations, c'était chaud. Hein. Et oui. Hein. Et t'as bien tenu en tout cas. Ça, tu nous disais en culture G, pas si chaud que ça et tout. Il faut tenir la pression, mec. Il s'est fait éliminer, il est revenu, il a conquis. Bien sûr, c'est ça la mort. Il faut y croire jusqu'au bout parce qu'il peut toujours y avoir une erreur. Pierre, est-ce que t'as un petit message, une dédicace à passer pour un de tes proches? J'ai un pote qui aimerait faire une dédicace, moyen ou pas? Bien sûr, gros. Allô? Je le sens mal. Va le passer. Je le sens mal. Ouais. Salut. Ouais, bonsoir. Je fais une petite dédicace à tout le monde, à toute la boucherie Lerda, à Mougins, Roquefort, Canfortville, et à ma femme, à mon père, à mon frère et à toute la famille. À Pierre, bien sûr, ça a gagné. Tu t'appelles comment? Je m'appelle David. Eh ben David, c'est passé, bravo. En tout cas, vous allez pouvoir vous ambiancer avec le Google Home Mini. Félicitations encore. Domingo, Alicia, Doya, Zonk. Tous les dimanches, 20h minuit, sur Énergie.